Est-ce que tu prends du temps pour toi? Hein? Est-ce que tu en es vraiment sûr? Est-ce que tu arrives à t'arracher, à t'extirper de ce monde pour te recentrer sur toi et voir ce qui est important pour toi? Est-ce que tu arrives à te recentrer, te retirer égoïstement, certains diront, mais pour mieux redistribuer ensuite? Dans l'avion, les hôtesses de l'air ne disent-elles pas, lorsque vous savez, elles font les instructions, le masque pour vous d'abord et l'enfant ensuite? C'est très égoïste. Mon Dieu, l'adulte avant l'enfant. Ben oui, l'adulte peut aider l'enfant que s'il est en vie. S'il meurt, l'enfant meurt. Donc il y a ce geste extérieur qui paraît égoïste, mais d'une grande sagesse, puisque le but est de garder l'enfant en vie. Prenez du temps pour vous, les amis. Vous êtes important. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. On a la vie qui nous happe, tel un rouleau compresseur. Il faut avoir la force de dire stop. Regarde. Est-ce que la mer, elle est pressée? Est-ce que le sable, il est pressé? Ce sont des éléments puissants de la nature. Ils sont là, ancrés, présents. Ils ont leur fonction. Toi aussi, tu as ta fonction. Ne te disperse pas. Reste concentré. Je fais un peu du Jean-Claude Van Damme, oui. J'en ai conscience. Mais ce que je dis, je le sais, et plein de sens. Je le dis sans orgueil. Ou pas. Regarde. Vous voyez les mouettes? Je sais pas si vous les voyez. Parce qu'elles sont pressées, les mouettes. Ah, les mouettes, elles sont sur l'eau. Extirpez-vous, arrachez-vous égoïstement pour pouvoir redistribuer. Force.